Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et tous pour celles et ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors, je vous informe d'abord que le groupe Horizon est apparenté à désigner M. Paul Christophe pour faire partie de la MEX. Voilà, bravo, merci pour lui, qui remplacera effectivement Thomas Meynier. Alors, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour entendre M. Patrick de Haumont, dont la nomination est envisagée aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous vous souvenez donc que le 28 septembre dernier, nous avons auditionné M. Benoît Vallet, préalablement à sa nomination en fonction de directeur général de cette agence. Cette audition se déroulait dans le cadre prévu de l'article 13 de la Constitution. Ce n'est pas le cas de l'audition de ce jour, qui se tient en application des dispositions de l'article L.1451-1 du Code de la santé publique et n'est donc pas suivi d'un vote. Il y a toutefois un lien direct entre ces deux auditions, dans la mesure où la désignation de M. Vallet aux fonctions de directeur général est vacante depuis le 15 novembre, la fonction de président du conseil d'administration qu'il exerçait jusqu'alors. Je souhaite donc la bienvenue à M. de Haumont dans notre commission. Nous vous demanderons tout d'abord, cher monsieur, de bien vouloir nous indiquer comment vous envisagez d'exercer la fonction à laquelle vous êtes destiné, mais aussi de vous présenter, étant précisé que votre curriculum vitae a été communiqué hier à l'ensemble des membres de la commission. Après votre intervention, je donnerai la parole pour 5 minutes à monsieur Berthelot, ici présent, qui effectivement supplée la référente de notre commission pour l'ANSES, qui est en fait madame Bénédicte Ozano et qui malheureusement n'a pas pu être là cet après-midi en raison de quelques perturbations. Ensuite, les orateurs des groupes politiques interviendront pour 2 minutes chacun, de même que les autres commissaires. Vous disposerez bien sûr ensuite de tout le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble des questions qui vous seront posées. Voilà. Je vous passe la parole, cher monsieur de Haumont. Merci, madame. Alors, je vous donne... Ah oui, il faut appuyer. Il y a un petit effort à faire, quand même. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir et honneur que je viens présenter ma candidature à la présidence du conseil d'administration de l'ANSES. Comme vous l'avez dit, c'est une agence de sécurité sanitaire qui est bien identifiée et bien connue dans le paysage sanitaire français, mais aussi dans le paysage sanitaire international. Et je dois dire que lorsque l'on m'a sollicité pour pouvoir éventuellement prendre cette fonction, je n'ai pas hésité, pour un certain nombre de raisons que je vais essayer de vous exposer. Et je vous propose d'articuler mon propos en 3 points. Revenir un petit peu sur l'ANSES et ses enjeux. Comme je le disais, l'ANSES est au cœur du dispositif sanitaire et elle est confrontée à des enjeux majeurs aujourd'hui. Elle n'est pas seule dans ce dispositif, mais elle joue un rôle essentiel. Le second point relatif à mon parcours, je pense que mon parcours empreinte sécurité sanitaire et empreinte santé publique et qui m'a amené d'ailleurs à approcher l'ANSES et les structures précédentes qui ont été à son origine permettent de comprendre pourquoi je porte un intérêt particulier à ces sujets. Et puis enfin, comme vous me l'avez demandé, madame la présidente, j'envisagerai un certain nombre d'actions, d'ambitions que l'on peut, avec le conseil d'administration, envisager. Alors tout d'abord, s'agissant du premier point relatif à l'ANSES, lorsqu'on aborde l'ANSES sur un plan un peu analytique, on identifie 4 grandes thématiques. Je pense que c'est important de les rappeler parce qu'il y a une thématique centrale qui est la thématique de l'expertise scientifique, qui se doit d'être robuste, d'être basée sur la science, qui se doit d'être transparente, indépendante. Et ce dispositif, qui est relativement récent, puisqu'il a été créé avec l'AFSA au début des années 2000, est aujourd'hui bien établi dans le paysage. On dispose d'un certain nombre de comités d'expertise scientifique qui évoluent avec le temps. Les 2 derniers comités ont été créés l'année dernière, hein, en analyse socio-économique, l'un, l'autre pour les biotechnologies.
Et ce sont de nombreux experts d'horizons variés, puisque ce sont des experts qui ne sont pas situés à l'agence, qui sont des experts, pour la plupart des experts externes, il y en a plus de 800. Ces experts permettent, en s'appuyant sur les meilleures données de la science, de produire des avis scientifiques robustes et de produire aussi des éclairages pour la gestion de risque auprès du gestionnaire de risque, quel qu'il soit. Le second aspect important est la responsabilité de l'ANSES en matière de veille, de surveillance et de vigilance. L'ANSES anime un certain nombre de réseaux dans des secteurs variés, que ce soit la santé au travail, que ce soit la pharmacovigilance des médicaments vétérinaires, que ce soit la phytopharmacovigilance pour les produits phytosanitaires, la nutrivigilance, des plateformes d'épidémiosurveillance. Je pourrais faire un inventaire à l'après-vert un petit peu long. Ce sujet de la veille et de la surveillance est essentiel pour nourrir l'expertise scientifique, mais pour nourrir aussi un certain nombre d'autres travaux en matière de santé publique. Le troisième volet très important, et j'y reviendrai en fin de propos, est relatif à la recherche et à l'innovation méthodologique. Historiquement, les laboratoires de l'ANSES ont une culture en matière de recherche pour nourrir leurs activités de référence au niveau français et international, pour nourrir un certain nombre d'aspects relatifs aux appuis techniques et puis, bien sûr, pour nourrir en partie la question de l'expertise scientifique. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a vraiment une évolution, d'une part une montée en puissance de cette force de recherche au sein de l'ANSES, qui ne le fait pas seul, qui le fait avec beaucoup d'autres organismes. J'en veux pour preuve le nombre de partenariats extrêmement importants avec l'INRAE, dans des domaines extrêmement variés, et il y en a bien d'autres. Et en outre, ces activités de recherche ne sont pas que ponctuelles sur des sujets très précis, elles sont aussi sur des approches systémiques. Et j'en veux pour preuve les travaux actuels sur l'exposome. J'en veux pour preuve l'implication dans le projet PARC, qui est un projet européen de très grande envergure, piloté par l'ANSES, pour analyser les problématiques des contaminants chimiques dans une approche très globalisée, les effets cocktails, en résumant. Donc un volet important d'opérateurs de recherche pour l'ANSES. Un second volet important en matière de recherche est le volet en termes de prescripteurs, puisque l'ANSES pilote le PNRESP, le Programme national pour la recherche en matière d'environnement, santé, travail, et donc elle est prescriptrice de recherche et lance des appels d'offres en la matière. Nous y reviendrons. Et puis le quatrième volet, qui est parfois un petit peu challengé, qui est relatif aux conditions d'autorisation d'un certain nombre de produits réglementés, je pense aux médicaments vétérinaires, je pense aux produits phytosanitaires, aux biocides, qui sont importantes au sein de l'ANSES, que ces mesures d'autorisation qui s'appuient sur des évaluations de risque indépendantes pour pouvoir prendre ces décisions de gestion. Alors c'est une présentation très analytique que je viens de faire. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue un certain nombre d'aspects un peu plus généraux qui permettent de piloter l'ensemble de ces actions. D'une part, l'exercice dans un cadre européen international extrêmement large, l'exercice avec un certain nombre d'organismes scientifiques et techniques, un dialogue permanent avec les parties prenantes, c'est ce qui fait la force de l'établissement, enfin une des forces de l'établissement aujourd'hui, pour prendre au mieux et autant faire se peut les attentes sociétales sur les différentes thématiques de l'ANSES, le développement qui ne fait que s'enrichir au fil des années de process déontologiques. Et j'en veux pour preuve la dernière avancée, si je puis dire, en matière d'application déontologique, qui est la prise en compte des liens d'intérêt intellectuels. C'est quelque chose qui a été mis en place l'année dernière. L'attention particulière sur les intérêts, les déclarations publiques d'intérêt sont essentielles. Et tout ça, ça s'exerce dans un environnement auquel s'expose l'ANSES, extrêmement complexe par rapport à nos problématiques de santé, le dérèglement climatique, les émergences de maladies au plan mondial, je pense à l'influenza aviaire, je pense au Covid, je pense au monkeypox, avec des interactions homme-animal, environnement extrêmement importantes, qui font que tous ces éléments, que l'ANSES ne peut que raisonner son action que dans le cadre du concept One Health, dont on est maintenant bien habitué que l'on évoque régulièrement. Mais ce contexte One Health est vraiment essentiel dans nos problématiques de santé publique, dans le contexte que l'on connaît. Deuxième
volet de ma présentation, effectivement, quel est mon parcours et pourquoi mon parcours peut éventuellement répondre positivement à l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration. Je suis docteur vétérinaire de formation. Après avoir fait des études complémentaires en matière d'immunologie, j'ai été immédiatement baigné dans l'action publique et dans l'action en termes de santé publique, que ce soit sur le terrain ou au niveau national. Ce qui m'a amené à aborder, d'une part, la relation avec les différents acteurs de la société civile concernés par ces sujets-là, et à piloter des politiques de contrôle, des politiques de surveillance. Et j'ai en tête la mise en place dans les années 90, excusez-moi, c'est un peu ancien, mais c'est assez précurseur à l'époque, la mise en place des premiers plans de surveillance des contaminants dans l'alimentation, que l'on a ensuite porté au niveau européen. J'ai eu aussi l'occasion de porter un certain nombre de sujets en matière d'indépendance et d'impartialité des activités d'inspection. Là aussi, quelque chose qui résonne avec les problématiques de déontologie de l'ANSES. Pardon. J'ai ensuite, après un passage en Pologne qui m'a permis d'accompagner les autorités de ce pays dans le cadre d'un projet européen pour l'accession à l'Union européenne sur des sujets sanitaires, j'ai eu ensuite l'opportunité de prendre la direction de l'ANMV, l'Agence nationale du médicament vétérinaire, qui à l'époque était au sein de l'AFSA, qui aujourd'hui est au sein de l'ANSES. Et ça a été une expérience très riche, compte tenu de la nécessaire excellence scientifique à mettre en œuvre pour évaluer et autoriser les médicaments vétérinaires, en miroir avec les médicaments humains. Les process sont à peu près comparables. La richesse de l'interdisciplinarité était omniprésente, et aussi le travail au niveau européen et international. Et je prendrai un exemple de cette période qui a été le travail sur l'antibiorésistance dans le domaine vétérinaire. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, et je pense qu'on peut s'enorgueillir au niveau français d'avoir porté depuis plus de 25 ans maintenant la politique en matière de lutte contre l'antibiorésistance dans le domaine vétérinaire, de l'avoir portée au niveau international, puisque les lignes directrices qui existent au niveau mondial aujourd'hui résultent des travaux de l'ANMV. Et ces actions en matière de lutte contre l'antibiorésistance se sont concrétisées ensuite, je vais y revenir. J'ai ensuite accédé à des responsabilités de directeur général de l'alimentation au sein du ministère en charge de l'agriculture. Donc une fonction assez exposée, dirais-je, puisque en charge de politique sanitaire dans le domaine animal, alimentaire, végétal. Mais une fonction passionnante et qui avait un sens profond en termes d'assurance de la sécurité sanitaire de nos concitoyens, mais aussi de la santé animale, de la santé végétale, etc. Et dans le prolongement, finalement, pour prendre un exemple très concret de ce que j'évoquais au niveau de l'ANMV, cette fonction DGL m'a permis de concrétiser un certain nombre d'actions, et je reprends mon exemple de l'antibiorésistance, puisque en 2012, a été mis en place pour 5 ans un plan éco-antibio pour lutter contre pour limiter les usages de médicaments vétérinaires et limiter les résistances. L'objectif était de baisser de 25% les antibiotiques. En 5 ans, on les a baissés entre 35 et 40%. Et la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation nous a permis, avec le gouvernement de l'époque, de mettre en place un dispositif limitant strictement les usages d'antibiotiques, en limitant l'usage des antibiotiques, ce qu'on appelle les antibiotiques critiques, et en supprimant les marges arrières sur ces produits. Marges arrières qui n'est pas grand-chose à faire finalement avec des produits de santé. Et les résultats sont au rendez-vous, puisque aujourd'hui, la décroissance des usages dans le domaine vétérinaire se poursuit. Les antibiotiques critiques ont baissé de plus de 90% en termes d'usage, sans que cela nuise à la santé animale. Et les circulations de résistance ont diminué aussi d'autant. Donc un bon exemple de continuum de travail avec l'ANSES et ensuite d'exercice au sein d'une direction générale d'un ministère. J'ai pu aussi, en tant que DGAL, apprécier le pilotage et la coopération, la collaboration avec l'ANSES dans le cadre de la,
de l'exercice de tutelle, puisque nous sommes aujourd'hui avec 5 tutelles au niveau de l'ANSES. Je vous en proposerai peut-être une sixième là tout à l'heure. Et ces 5 tutelles, parfois certains pensent que c'est un petit peu complexe, mais c'est une richesse et vraiment une amélioration de la concertation interministérielle par rapport à ce que l'on peut attendre d'une agence sanitaire. Ça a été l'occasion aussi d'un certain nombre d'événements importants, ce passage à la DGAL, au regard bien sûr de la résonance avec l'ANSES, avec la création des plateformes d'épidémiosurveillance, c'est nous qui les avons initiées, en santé animale, en alimentation et en santé végétale, des simplifications du dispositif d'autorisation des produits phytosanitaires, une politique de l'alimentation avec le soutien du Nutri-Score, qui était porté par le ministère de la Santé, hein, très, très fortement. Et puis je pourrais multiplier les exemples. S'agissant de mon parcours, depuis ces dernières années, je suis sur un poste assez différent qui me conduit à suivre un certain nombre d'agents du ministère et à suivre le bon fonctionnement de structures, ce qui m'amène à suivre le respect de la conduite de certaines politiques publiques, notamment dans des directions de préfecture, et de m'assurer que les règles de déontologie, qui sont toujours les clés de l'action publique, sont des clés incontournables. Maintenant, pour terminer, quel rôle je peux envisager pour exercer la fonction de président du conseil d'administration, si cette chance m'en est donnée. Alors j'ai bien conscience que cette fonction est une fonction non exécutive, hein, je le souligne, j'ai été habitué à avoir des postes exécutifs, donc il ne faut pas se tromper, hein, le président préside, le directeur général dirige. Mais pour autant, je pense que le conseil d'administration a un rôle extrêmement important. C'est pas le président qui est important, c'est le président, bien sûr, anime le conseil, mais il y a un conseil d'administration avec une structure très intéressante et très particulière à l'ANSES, qui est une structure très grenellienne. Hein, on a un certain nombre d'associations reconnues, des élus, l'État, des représentants d'organisations professionnelles, des représentants de syndicats de personnel. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement varié. Et j'aurais à cœur de poursuivre, en première intention, en première analyse, 5 ambitions, mais bien sûr, cela pourra évoluer. Il y a bien sûr une responsabilité importante du conseil d'administration qui consiste à soutenir la stratégie de l'agence. Stratégie de l'agence, d'ailleurs, qui se décline à travers un contrat d'objectifs et de performance, hein, qui est en cours de finalisation pour la période qui s'ouvre, 2023-2027. Donc c'est un point extrêmement important, tout ça dans un contexte One Health que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un point important sur la recherche, j'y reviens, parce qu'en fait la dimension recherche de l'ANSES est essentielle à l'exercice de ses activités, à la fois en tant qu'opérateur, en tant qu'effecteur et en tant que prescripteur. Et aujourd'hui, le plan national de recherche environnement santé travail que j'évoquais tout à l'heure ne me semble pas à la hauteur des enjeux. Je ne suis pas tout à fait le seul à le penser. C'est un plan, un programme qui pèse moins de 10 millions d'euros, qui a un taux de réussite qui n'est que de 11% de satisfaction par rapport aux nombreuses demandes, alors que l'ANR a un taux de réussite de 25%. On ne peut pas satisfaire, alors que les projets sont beaucoup de projets sont de très bonne qualité, et le niveau de financement est assez faible. Donc il y a un vrai sujet de réflexion sur... bien sûr, la réalisation de recherche au sein de l'ANSES en lien avec l'ensemble des établissements de recherche, avec l'INRAE, avec l'INSERM, etc. Mais il y a un vrai sujet de réflexion sur la capacité à prescrire de la recherche pour mieux s'impliquer d'ailleurs aussi dans les projets européens. Donc la relation ANR, c'est pour ça que je parlais d'une sixième tutelle éventuelle, pourquoi pas une tutelle avec le MESRI, seront des questions qui mériteront d'être posées. Deuxième ambition, la contribution à la crédibilité et à l'indépendance de l'expertise. Alors il y a régulièrement des controverses sur l'indépendance et la crédibilité de l'expertise. C'est en particulier très sensible sur des sujets controversés, sur des sujets où il y a des incertitudes. Il faut effectivement y être attentif et le conseil d'administration a un rôle à jouer en la matière, me semble-t-il, pour pouvoir, bien sûr, en lien avec le conseil scientifique qui est maître en la matière, pouvoir toujours améliorer les procédures, mais aussi pour
mieux informer, mieux communiquer et mieux analyser les attentes sociétales, les attentes des parties prenantes. L'analyse socio-économique en la matière sera vraiment un élément clé qui nous aidera à avancer sur ce terrain. Troisième élément, la transversalité et la synergie entre les différentes organisations. Alors, j'ai évoqué l'INRA tout à l'heure. Santé publique France, c'est une organisation avec laquelle il y a beaucoup d'échanges à avoir. Le gestionnaire de risque, les ministères de tutelle, sont des organes avec lesquels les échanges sont bien sûr essentiels. L'ANSM, on parlait des antibiotiques tout à l'heure et de l'antibiorésistance, l'Agence du médicament humain est bien évidemment concernée par tout ça. Et en fait, je prendrais sur ce sujet de la transversalité qui nous impacte sur beaucoup de projets comme la toxicologie long terme, comme la santé environnementale, comme le développement de l'approche exposome. Je prendrai un exemple, c'est le besoin que l'on a, me semble-t-il, de progresser très significativement en matière de collecte, d'échange de données, de mise en transparence des données. Il nous faut, pour disposer de signal de santé performant, il nous faut des grandes masses de données. Alors, il y a des process de production de données très développés méthodologiquement, mais il y a aussi de la donnée médicale qui doit permettre aussi d'alimenter les réflexions. Et j'en veux pour preuve un ou deux exemples. Sur les produits phytosanitaires, nous avons des données de vente, mais pas des données d'usage, avec géolocalisation. En matière d'autocontrôle alimentaire, il y a une plateforme d'épidémiosurveillance, mais qui ne reçoit pas systématiquement les résultats d'autocontrôle, alors que l'on pourrait séquencer l'ensemble des germes d'autocontrôle et disposer de bases d'informations et de références bien plus importantes. Bref, en matière de données, il y a un enjeu, à mon sens, extrêmement fort, qu'il faudra aussi mettre en relation avec le niveau européen. Et la route est longue en la matière. Quatrième point, la poursuite des efforts en matière de déontologie. On l'a un petit peu évoqué à travers la crédibilité de l'expertise. Et puis, cinquième point, la contribution à l'enrichissement du débat public. Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre d'instances bien installées dans le paysage, des comités d'orientation thématique qui soutiennent le conseil d'administration, des espaces de dialogue sur des thématiques spécifiques, hein, que ce soit les radiofréquences, les produits phytosanitaires, les nanotechnologies ou d'autres sujets. Et puis, les conventions signées récemment avec la Commission nationale du débat public, avec le CESE, qui sont autant d'outils qui permettront d'améliorer encore et toujours le débat public et la performance de l'action de l'agence. Voilà, en conclusion, je dirais que depuis la création des laboratoires qui sont aujourd'hui au sein de l'ANSES, puis de l'AFSA et de l'AFSET, puis de l'ANSES, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, les dispositifs se sont développés de manière beaucoup plus robuste, beaucoup plus transparente, avec des principes de déontologie très forts, avec une volonté d'accès à la science extrêmement pointue, des actions de recherche sont très développées, les coopérations internationales sont très fortes. Il faut qu'on poursuive cette vision et cette ambition. Et je réaffirme ce principe du concept One Health qui doit être vraiment la ligne directrice de notre action et qui assure vraiment un continuum entre les différentes missions de l'agence. Je vous remercie pour votre attention et j'essaierai de répondre à vos questions. Merci. Si je peux. Merci bien, cher monsieur. Donc, je vais déjà passer la parole aux orateurs de groupe et je commence tout de suite. Ah pardon, oui, j'allais oublier, monsieur Berthelot, excusez-moi, monsieur le député, vous représentez effectivement Bénédicte Ozano, qui malheureusement ne peut pas être là et qui est la référente de la commission pour l'ANSES. Vous avez la parole, monsieur le député. Je vous donne le micro. Merci madame la présidente. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser madame Ozano qui s'excuse sincèrement de ne pas pouvoir être là présent aujourd'hui, cet après-midi. Monsieur le directeur, mes chers collègues, je commencerai par évoquer le rapport récent du groupe de travail du Conseil scientifique de l'ANSES, un rapport adopté, il faut le souligner, à l'unanimité par les membres de ce comité.
Le rapport émet de nombreuses recommandations, organisées notamment autour de trois points dits de tension que je rappelle brièvement. Un décalage entre les avis de l'ANSES et les connaissances scientifiques les plus avancées, un caractère d'urgence qui contraint l'ANSES à rendre des avis sans prendre le temps parfois de mener des expertises complètes. Enfin, troisième tension, depuis 2015, l'ANSES doit à la fois rendre des rapports sur certains produits, pesticides, biocides, médicaments vétérinaires, et réguler leur utilisation. Elle délivre les autorisations de mise sur le marché, décide de leur retrait, une double casquette qui apporte une difficulté dans la prise de décision. Je voudrais donc savoir comment, en tant que potentiel président du conseil d'administration de l'agence, vous envisagez la suite à donner à ces recommandations. Qu'en ferez-vous ? L'ANSES va-t-elle se saisir de chacune ? Mettre en place une commission chargée d'évaluer leur traitement ? Faire des bilans d'étapes et selon quelle fréquence ? Le conseil scientifique sera-t-il tenu informé de ce travail qui serait la projection concrète de ces recommandations ? Une question très large, c'est de toute évidence, il y a une évolution positive au sein de l'agence. Pensez-vous que l'ANSES permette à la science de s'exprimer ? Pose-t-elle un cadre suffisamment large pour que cette expression soit totalement libre ? Ou bien considérez-vous que l'agence a des efforts à accomplir pour alimenter l'expertise scientifique ? Et si oui, lesquels ? Autre question, de fond, comment considérez-vous la séparation entre l'évaluation des risques et la gestion des risques ? Je souhaite également vous interroger sur le fonctionnement du comité de déontologie de l'agence, afin de renforcer l'indépendance des travaux et de prévenir plus efficacement les conflits d'intérêts. Pensez-vous que les modalités de saisine pourraient être ouvertes à des tiers ou que sa composition puisse être revue ? Pour vous, l'indépendance de l'ANSES est-elle totale vis-à-vis du politique comme des lobbies ? Émettez-vous des réserves ? Si oui, de quel ordre ? Quels seraient les moyens ou outils qu'il faudrait donner, selon vous, à ce comité pour garantir l'impartialité totale des études conduites par l'agence ? J'aborde maintenant un sujet qui me tient à cœur, celui des éoliennes. J'avais interrogé en septembre dernier M. Vallée, et je dois dire que sa réponse avait été un peu courte au regard des enjeux. Comme vous le savez, l'OMS a affirmé en 2018 que les éoliennes étaient une nouvelle source de nuisances sonores et que des études devraient être conduites pour en apprécier l'impact sur la santé. L'ANSES recommande la réalisation d'études locales systématiques avant d'installer des parcs éoliens. Récemment, le tribunal de Toulouse a fait droit à la demande de plaignants en reconnaissant un préjudice au titre du syndrome éolien. Considérez-vous qu'il serait urgent de diligenter des études en cas témoin pour l'homme et l'animal, études ouvertes à chaque fois aux élus locaux. Pour conclure, je reviens sur le rapport du comité scientifique à la page 7 et les données 9 termes ou mots-clés retenus comme emblématiques du travail scientifique. Expertise, crédibilité, etc. Personnellement, j'en ajouterai un autre. Le plus important, quand on se place du côté des citoyens, c'est le mot « confiance ». Quel degré de confiance pouvons-nous, nous tous, élus et citoyens, avoir dans les avis de l'agence ? Et que ferez-vous pour renforcer cette confiance ? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Nicole Dubré-Chira pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour vos propos. Le mien reposera sur deux thématiques en lien avec votre carrière précédente et avec les missions de l'ANSES. La France a connu depuis 2015 plusieurs crises majeures d'influenza aviaire et le pays a été le plus touché dans la zone euro. Ces crises ont conduit à l'abattage de millions de volailles, notamment dans mon département, en Maine-et-Loire, ce qui touche durement la filière éleveur et accouveur. Le plan d'action du ministère de décembre 2022 aborde, à côté du confinement et de l'abattage, la question de la vaccination. Deux vaccins sont en cours d'expérimentation sur les canards. Compte tenu de votre connaissance, je souhaitais avoir votre avis sur la procédure pour autoriser un vaccin et mettre en place une stratégie vaccinale. Sur le fait que certains oiseaux vaccinés peuvent toujours contracter le virus, comment sera-t-il possible de distinguer les animaux contaminés des vaccinés ? Est-ce que les tests sérologiques le permettraient ? La circulation de l'influenza parmi la faune sauvage est une réalité, continue à inquiéter les éleveurs. Quel est l'impact des outils de prévention et détection ? Quelle est l'acceptabilité par les professionnels et consommateurs, mais aussi en termes d'exportation des volailles entre les pays européens et les autres pays du monde. Le deuxième thème repose sur l'obésité. L'ANSES alertait en 2020 les pouvoirs publics sur la nécessité de promouvoir et renforcer l'activité physique dès l'adolescence, notant que deux tiers des jeunes sont en surpoids.
obèses ou victimes de troubles alimentaires ou de sommeil. La crise Covid a amplifié cette évolution. La hausse constante de surpoids et d'obésité a des conséquences graves sur la santé physique et psychique. Prévention et diagnostic précoce, formation des professionnels de santé en milieu scolaire, parcours de soins adaptés, plusieurs pistes à explorer. Alors que la feuille de route prise en charge d'obésité 2019-2022 arrive à son terme, il est essentiel d'en faire une priorité en matière de santé publique. Allez-vous proposer et renforcer les actions d'information, de communication pour mieux prévenir et connaître ces risques? Merci bien. Monsieur Cyril Isaac Sibille pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, d'abord, tout d'abord, merci pour votre exposé. Je lisais sur le site, notre rôle n'est pas de formuler des injonctions, mais de donner des moyens de comprendre, de garantir l'accès à un maximum de connaissances scientifiques fiables pour permettre à tous, individuellement et collectivement, de choisir et d'agir. J'aimerais, à travers cette phrase, vous poser plusieurs questions. Premièrement, effectivement, comment est-ce que vous considérez votre rôle en tant que président du conseil d'administration par rapport au directeur général? Quel est votre rôle? Quel est le sien? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, on voit bien que, et pour nous, c'est compliqué, quand on voit le nombre d'organismes, d'agences, qui fait quoi? Là, tout à l'heure, effectivement, vous avez parlé de Santé publique France, on voit la Haute Autorité de Santé, on voit bien que vous avez une certaine expertise, mais on voit effectivement qu'il y a des directions, il y a différentes directions, dont une de l'alimentation que vous connaissez bien. Donc, j'aimerais savoir effectivement comment tout ça s'articule, parce que pour nous, c'est assez flou. Et je prendrai un petit exemple pour illustrer ça. Et en plus, c'est dans ma circonscription. Je suis élu de la métropole de Lyon. Et effectivement, depuis un an, ça va être sans doute au courant, et la population est assez effrayée dans le sens où elle s'est rendue compte qu'effectivement, qu'elle buvait, elle mangeait des PFAS. C'est un sujet qui n'est pas neuf. Je reviens effectivement aux scandales qu'il y a eu aux États-Unis, la vie de Stockholm en 2001. On sait effectivement que l'agence a fait des travaux en 2010. Et je regarde effectivement par rapport à un problème lié effectivement au plastique, au PFAS, hein, donc c'est les perfluorés, les polluants éternels. Par rapport à ça, vous avez une expertise. Vous donnez effectivement des recommandations, je veux bien qu'il n'y ait pas d'injonction, mais quel est votre rôle pour éviter, quelque part, c'est ce que veulent nos concitoyens qu'on représente, c'est pour faire en sorte que d'être sûr d'avoir une eau, une alimentation qui est saine, des nappes phréatiques qui soient effectivement pareilles, hein, qui soient propres. Et donc, c'est ça que je vous pose la question. Tout ça, effectivement, qui fait quoi et quelle est votre responsabilité? Je vous en remercie. Merci bien. Monsieur Élie Califère, pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je veux vous féliciter déjà pour votre parcours et vous congratuler pour, disons, votre confiance et votre sérénité. À l'aune de cette nomination, je ne peux, comme mon collègue, faire mine d'ignorer le contenu du rapport du comité scientifique de l'ANSES, mis en ligne de façon discrète il y a quelques jours. Ce rapport, réalisé par des experts indépendants, fait suite aux différentes mises en cause de l'expertise scientifique de l'agence et formule plusieurs recommandations que vous connaissez et que je me plais à reprendre, visant à améliorer les procédures, à mieux éclairer le processus de décision, à intensifier les interactions avec les parties prenantes et peut-être à renforcer aussi la séparation de l'évaluation et de la gestion des risques au sein de l'agence. Représentant ici, là, un territoire impacté par un fléau de contamination à grande échelle que vous connaissez bien, je vais parler du chlordécone. Comprenez que cette question de la crédibilité de l'expertise scientifique de l'ANSES me paraît cruciale. En tant que futur président et déjà président du conseil d'administration, quel regard et quelle suite en matière de gouvernance et de fonctionnement interne comptez-vous donner à ce rapport? Et enfin, sur la chlordécone même, spécifiquement, au-delà de l'étude Chlore Expo attendu 2024, avec impatience déjà, qui porte exclusivement sur l'exposition alimentaire au chlordécone de la population antillaise, pourriez-vous m'indiquer les moyens mobilisés par l'ANSES en faveur des travaux de recherche sur le chlordécone? Je voulais vous dire aussi, pensez-vous que vos avis seraient teintés d'indépendance réelle, vu les nombreuses tutelles qui vous croient ou qui vous accompagnent?
Très bien. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux pour le groupe Horizons et Apparentés. Oui, merci madame la présidente. Monsieur de Aumont, merci de votre exposé très, très riche sur effectivement les missions qui sont les vôtres et comment vous comptez les aborder. Je voudrais poser une question plus spécifiquement, parce que les sujets sont vastes, sur les personnes électro-hypersensibles. C'est une réalité vécue par plus de 5% de la population et c'est une réalité pour 3 millions de Français qui seraient concernés et qui souffriraient lors d'exposition aux champs électromagnétiques de maux de tête, de fatigue chronique, de problèmes cognitifs, de douleurs musculaires, de troubles du sommeil et qui, avec des conditions de vie, d'accès à l'emploi et de sociabilité évidemment particuliers. Le développement des nouvelles technologies comme le Bluetooth, le Wi-Fi, les téléphones mobiles ou les objets connectés a depuis quelques années exacerbé notre exposition à tous, effectivement, aux ondes. Les radiofréquences constituent bel et bien un objet de préoccupation sanitaire, environnementale et sociétale important en France comme à l'étranger, notamment au Canada et en Suède, où ce sujet a été abondamment exposé dans le débat public. L'ANSES a émis un avis en 2018 dans lequel elle reconnaît que les personnes se déclarant hypersensibles électromagnétiques ont besoin d'adapter leur quotidien pour y faire face. Aussi, elle mentionne que les personnes concernées se trouvent, pour une grande partie d'entre elles, dans un état de souffrance physique ou psychique plus ou moins important. Néanmoins, et c'est un point important, l'expertise réalisée indique qu'il n'existe pas de preuves expérimentales solides permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant électro-hypersensibles. Cela peut signifier deux choses, soit les symptômes ne seraient pas dus aux expositions aux champs électromagnétiques, soit les travaux conduits jusqu'à présent présentent des lacunes méthodologiques. Dès lors, je salue le lancement par l'agence en janvier dernier d'une étude visant à mieux connaître les personnes électro-hypersensibles et ainsi renforcer la qualité des recherches scientifiques et la prise en charge médicale. Alors que chacun d'entre nous découvrait il y a 3 ans la triste réalité du confinement, qui est pourtant le quotidien des personnes électro-hypersensibles, il me paraît nécessaire d'accélérer les recherches autour de cette maladie. Ainsi, ma question est toute simple, monsieur de Aumont. Quelle suite comptez-vous donner à cette étude nationale, d'une part, et à terme, seriez-vous favorable à une reconnaissance officielle de ces pathologies en France? Est-ce que cela vous semble pertinent? Merci. Merci bien. Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur de Aumont pour votre présentation. Moi j'aurais 2 questions qui touchent au sujet de l'alimentation. Donc on sait que les scientifiques ne cessent d'alerter sur l'urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années. Pourtant aujourd'hui le constat est plutôt que la situation empire et qu'elle est particulièrement inquiétante pour les enfants. 17% des enfants de 6 ans à 17 ans qui seraient en situation de surpoids, donc 4% en situation d'obésité. L'INSERM note quant à elle que seuls 23% des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42% pour les adultes. Il y a des avancées qui ont été actées par la loi Climat et Résilience avec l'introduction d'un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées, mais ça reste encore insuffisant aujourd'hui. Lors de la journée parlementaire des écologistes le 6 avril prochain, ma collègue Francesca Pasquini proposera à l'Assemblée de passer au minimum à 2 menus végétariens par semaine pour les enfants ou à une alternative quotidienne, tout en laissant évidemment la possibilité de cumuler les 2 dispositifs. L'ANSES a rendu un avis clair sur la question. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Et 2e point, dans la même proposition de loi, nous proposerons également d'interdire les nitrites présents notamment dans la charcuterie. En 2021, le député Richard Ramos avait déposé une proposition de loi relative à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie, mais les alinéas qui proposaient l'interdiction avaient été supprimés durant son examen et remplacés par une demande de rapport du gouvernement au Parlement qui tirait les conclusions de l'avis de l'ANSES sur les risques associés à l'ingestion d'additifs nitrés dans la charcuterie en matière de santé publique. Ce rapport de l'ANSES, il a depuis confirmé, je cite, « l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrites et ou aux nitrates, qu'il soit ingéré par la consommation de viande transformée ou via la consommation d'eau de boisson ». Il est donc désormais temps de les interdire définitivement, il semblerait. Donc est-ce que vous pourriez aussi nous en dire un mot, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur de Aumont, l'ANSES exerce une mission essentielle pour la décision publique, et y compris la confiance dans la décision publique, et puis une mission essentielle pour la démocratie. Une des questions qui se pose, c'est celle des moyens dont dispose l'agence pour faire face à ces missions qui sont importantes, pour nous permettre y compris de déployer les politiques de réglementation et de prévention qui sont nécessaires. Je vous remercie de ce que vous avez dit sur la santé au travail et visiblement de votre volonté de rehausser le niveau
de l'investissement de l'ANSES en matière de santé au travail, qui me semble une absolue nécessité. Et j'insiste évidemment sur la question de la santé environnementale également, avec peut-être la nécessité aussi de mieux intégrer la demande citoyenne et l'appropriation citoyenne dès le départ pour faire face aux questions. Je pense aux problématiques, par exemple, de qualité de l'air, de pollution atmosphérique. Dans la zone dans laquelle je suis élu, à Fos-sur-Mer, c'est une question importante. Et j'insiste aussi sur la question du chlordécone qui a été évoquée à l'instant par Eddie Califère à juste raison, où la confiance dans les décisions publiques a été quand même largement ébranlée. Le 10 mars dernier, un groupe de travail portant sur la crédibilité de l'expertise scientifique de l'ANSES a rendu ses conclusions. Et c'était sans aucun doute un travail nécessaire, puisque plusieurs avis rendus par l'ANSES avaient suscité des polémiques. Le groupe de travail a identifié ce qu'il appelle des tensions. La première grande difficulté identifiée par le groupe concerne la prise en compte des connaissances nouvelles. La deuxième viendrait de l'urgence à laquelle elle est souvent soumise pour rendre ses avis. Et enfin, le groupe de travail a cerné une difficulté d'ordre institutionnel qui tiendrait à l'évolution des missions de l'ANSES depuis 2015, puisqu'elle est non seulement tenue d'évaluer les risques de certains produits, mais aussi d'encadrer leur usage en accordant des autorisations de mise sur le marché et de prononcer leur retrait. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment vous comptez appréhender l'ensemble des 27 recommandations rendues par le groupe de travail et comment vous comptez réinterroger le fonctionnement même de l'agence qui finalement est en jeu à partir des travaux de ce groupe de travail. Merci bien. Donc avant de passer la parole à M. De Haumont, j'ai deux petites questions. M. Éric Allauzet. Une même. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai grand plaisir à vous retrouver. Mes questions portent sur la controverse. Une controverse qui peut mettre notre société, qui met très souvent notre société en tension. Et pour répondre à ces multiples controverses, nous avons besoin d'une expertise exigeante, robuste, indépendante, je reprends vos mots, et donc nous avons besoin de l'ANSES. Or, l'ANSES est souvent mise sur la sellette, en particulier sur les questions santé-environnement. Aussi, l'ANSES est souvent convoquée dans ces controverses qui émaillent ces multiples débats. Donc j'ai trois questions. Quelle est votre capacité de réaction face au risque d'exploitation des études que vous réalisez sur la base d'interprétations partielles de vos travaux, avec des risques de fausses informations ou d'informations tronquées? Ma deuxième question, quelle attitude face aux reproches qui peuvent être faits à l'ANSES de ne pas être en capacité de trancher ces controverses? Et troisième et dernière question, comment pouvez-vous faire face aux trop nombreuses sollicitations qui vous arrivent? Les sujets s'additionnent sur l'environnement chimique, l'environnement physique, sur le bruit, sur le climat, enfin, et ça ne s'arrête pas. Et donc, comment pouvez-vous faire face à toutes ces demandes? Merci bien, Monsieur le député. En fait, je n'avais qu'une petite question, donc, Monsieur De Haumont, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, et merci pour toutes ces questions. Je ne suis pas sûr de pouvoir apporter toutes les réponses. Hein. Alors, tout d'abord, il y a peut-être un lot de questions sur les problématiques d'expertise, hein, d'indépendance et de crédibilité de l'expertise, suite à la communication récente du rapport du Conseil scientifique. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout d'abord, cette analyse, elle porte, comme vous l'avez indiqué, trois tensions sur effectivement l'accès à la connaissance scientifique robuste et la prise en compte des incertitudes, sur la question de l'urgence, sur la question de l'évaluation et de la gestion. Pour autant, je vais y revenir, mais pour autant, j'aurais bien précisé que, me semble-t-il, ce rapport qui est très structuré, hein, et très argumenté, il concerne trois sujets particuliers, hein, et un peu convergents, puisqu'il s'agit de trois dossiers de produits phytosanitaires, qui sont traditionnellement des sujets de controverses, de débats, et des sujets où il y a des incertitudes. Donc, je n'ai pas le sentiment que ce rapport remette en cause le travail qu'a fait l'ANSES. J'ai le sentiment qu'il alerte sur des actions à conduire et des précautions à prendre pour qu'effectivement il n'y ait pas de dérive du fonctionnement de l'expertise scientifique de l'ANSES.
S'agissant du premier point, alors bien sûr, il y a un certain nombre d'actions qui devront être mises en place par l'ANSES sous l'autorité de son directeur général, mais le conseil d'administration aura un rôle important et essentiel à jouer pour effectivement s'assurer que les préconisations du conseil scientifique qui ont été formulées ont été prises avec la mesure nécessaire, et il conviendra de mettre en place un suivi pour s'assurer qu'effectivement les dispositifs d'adaptation suivront. S'agissant du premier point sur la question du niveau de connaissance scientifique et de pertinence scientifique, j'ai envie de dire que c'est un sujet sans fin, et c'est très bien comme ça, mais en fait, en permanence, nous avons besoin d'approfondir les connaissances scientifiques, d'identifier, et ça renvoie aussi à la problématique de la recherche, ça renvoie aussi à la problématique des articulations avec les différents organismes concernés. Il faut en permanence approfondir les connaissances scientifiques sur les sujets que l'on peut être amené à expertiser, et il faut qu'on soit capable, vis-à-vis du gestionnaire de risque, d'exprimer, me semble-t-il, le niveau des incertitudes. Il y a un moment où il y a un certain nombre de choses que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas. Alors on ne se satisfera pas de ne pas les connaître, mais il faut absolument poursuivre les investigations et se donner les capacités de mettre en place les recherches sur ce sujet. Ça rejoint un petit peu la question sur les radiofréquences, d'ailleurs, sur les électrosensibles. Cette capacité à approfondir et cette capacité à identifier l'incertitude, moi, me paraît essentielle. Après, il y a un certain nombre sur ce point de recommandations qui concernent l'amélioration des conditions de l'expertise, avec les questions de désignation des experts scientifiques, les questions de suivi de la déontologie, les questions de renouvellement. Il y a de la méthodologie, effectivement, à suivre de manière très, très opérationnelle. Sur la question de l'urgence, de la tension relative à l'urgence, alors, c'est une vraie difficulté pour l'ANSES. Moi, j'ai eu l'occasion d'être confronté à cette difficulté, mais de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, lorsque j'étais DGAL. Lorsque j'étais DGAL, j'avais en charge de la gestion de risques sanitaires, et j'étais parfois confronté, j'avais besoin d'avis de l'ANSES, et j'étais parfois confronté à des difficultés de décision, et j'avais besoin d'éclairage en tant que, finalement, responsable de la décision qui allait être prise, responsable au nom du gouvernement. Et ces éclairages, l'ANSES n'était pas forcément toujours en capacité de les donner dans un temps rapide ou ne disposait pas forcément de l'ensemble des données. Alors, il y a là un point important de débat entre l'évaluateur et le gestionnaire. Il faut effectivement qu'il y ait une discussion sur la formulation du besoin, la formulation de la demande. Il y a un contrat, quelque part, d'expertise à signer entre, très concrètement, entre l'évaluateur et le gestionnaire. Ensuite, l'évaluateur doit rester totalement indépendant et fondé sur des bases scientifiques pour émettre son avis. L'urgence fait que, dans un certain nombre de cas, effectivement, le gestionnaire de risque ne peut pas forcément attendre que, sur un sujet particulier, l'ensemble des dispositifs scientifiques soient connus et que la recherche nécessaire puisse être développée. Cette question de la saisine en urgence est vraiment cruciale. Il y a une implication des équipes, moi j'ai toujours pu le constater, hein, une implication des équipes de l'ANSES qui savent se rendre, et des experts, hein, des comités d'expertise, qui savent se rendre disponibles. Mais lorsqu'on est dans une vraie situation d'urgence, j'ai envie de dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Et il faut que le gestionnaire soit en capacité de donner les moyens nécessaires à l'agence pour être bien outillé en la matière. Mais il y a un moment où, sur certains sujets, on a des difficultés à obtenir les résultats dans un temps très très court. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer ça. En matière d'influenza aviaire, j'ai eu l'occasion de gérer les épisodes des années 2010, si je puis dire, et notamment le premier épisode des années 2010. Et vous savez qu'en matière d'influenza aviaire, bien sûr, c'est un phénomène épisodique, dramatique pour les élevages. Mais si l'on agit aussi fermement sur ce sujet-là, c'est qu'on a toujours la crainte du passage de la maladie à l'homme, de l'adaptation à l'homme. Et je me souviens de la première crise que l'on a eue
Donc c'était en 2013 de mémoire, ou 2014. Et en fait, lors de cette première crise, on avait bien identifié l'influenza aviaire, mais on ne savait pas si l'agent pathogène était pathogène pour l'homme. Et ça, il y a eu un délai qui était... Seul l'ANSES pouvait nous le dire, avec des séquençages génomiques, etc., et puis un petit peu d'application de laboratoire, de recherche, etc. Et donc, en tant que l'ANSES ne pouvait pas nous dire, du jour au lendemain, ce virus-là est dangereux pour l'homme ou pas. Donc la décision de gestion qu'on a eu à prendre a été de dire, bah, dans ces conditions-là, on fait l'hypothèse que cela peut être dangereux pour l'homme, et donc il y a abattage et destruction, y compris d'animaux sains, ce qui ensuite a pu évoluer lorsque l'ANSES a mis en évidence que les virus considérés n'avaient pas les gènes de pathogénicité humains. Donc là, chacun ses responsabilités. L'ANSES doit être capable de produire ce qu'elle peut dans le meilleur délai, mais ensuite le gestionnaire de risque assume son risque et prend la décision de mettre à la consommation ou pas. Sur le troisième sujet, évaluation et décision, moi, il me semble... alors d'une part, le transfert de l'évaluation et de la décision, je ne sais plus qui est... Quel membre a évoqué la 2015 pour le transfert? C'était le transfert des produits phytosanitaires. Mais il faut se rappeler que pour les médicaments vétérinaires, la présence de l'évaluation et de la décision remontait à la création de l'ANMV, qui a été créée en 1995, comme à la NSM, d'ailleurs, précédemment à l'AFSAPS. Alors, moi, ce qu'il me semble sur ce sujet de la séparation de l'évaluation et de la décision, il est clair que le gestionnaire, le décideur, ne doit pas pouvoir impacter l'avis de l'évaluation. C'est clair et net, il faut une évaluation scientifique, et ensuite le décideur prend ses responsabilités. Il autorise ou n'autorise pas. Ce n'est pas forcément une question de présence de l'évaluation à l'ANSES, me semble-t-il, et de décision dans un ministère. Parce que d'abord, un ministère n'est pas équipé pour gérer des autorisations de médicaments ou de produits phytosanitaires. On l'avait connu pour les produits phytosanitaires, effectivement, avant 2015. Et pour les médicaments vétérinaires, on l'avait connu dans les années 80. En fait, si j'élabore un petit peu sur les produits phytosanitaires, ça c'est l'exemple le plus récent, l'évaluation scientifique des risques pour les produits phytosanitaires était faite par l'ANSES, qui avait les moyens scientifiques et la capacité à faire. La décision était prise au niveau de la DGAL, qui n'avait absolument pas la capacité de faire, qui en plus, pour pouvoir signer une décision, finalement, se livrait à un réexamen des dossiers produits par l'ANSES avec des allers-retours supplémentaires, et il y avait un retard absolument terrible dans les décisions d'autorisation. Et en fait, lorsque l'on pense à l'autorisation de produits, alors, l'exemple des produits phytosanitaires, ce process est encadré. Il y a une évaluation scientifique des produits sur la base de lignes directrices d'évaluation, et puis il y a un process de décision. Pour autant, lorsqu'il y a eu transfert des autorisations d'AMM, le politique a gardé ses responsabilités, puisque c'est toujours le politique qui autorise les substances sont autorisées au niveau européen, mais ce sont les États membres qui les autorisent, et ensuite l'ANSES s'occupe des produits à base utilisant ces substances. Le politique a toujours la possibilité d'interdire des produits pour des raisons de santé publique, et c'est en outre le politique qui définit le niveau de risque acceptable, à travers notamment les lignes directrices, etc. Donc il y a, me semble-t-il, un partage des tâches avec un certain nombre de responsabilités qui restent au niveau du politique, au niveau du ministère, enfin des ministères très concrètement, et la fonction de gestion de l'ANSES, qui correspond à des évaluations de produits sur des bases très cadrées, permet de simplifier le dispositif, de compartimenter entre l'évaluation et la gestion. Moi, je l'ai connu dans le médicament, je l'ai vu dans les produits phytosanitaires. Et ça me semble être une bonne politique que de disposer de la sorte pour être le plus efficient possible. Et un retour en arrière me paraîtrait pas pertinent. Très clairement, une administration centrale n'est pas faite pour gérer des autorisations de produits. On l'a vu aussi pour les biocides qui étaient traités historiquement au ministère de la Transition écologique, par exemple. Alors ensuite,
Il y avait une question, est-ce que l'indépendance est totale au regard du lobby et des lobbies et des politiques? J'ai presque envie de dire, c'est presque une question d'homme, ça. C'est-à-dire que chacun a ses responsabilités. Lorsque l'ANSES a une responsabilité d'évaluation scientifique, elle se fonde sur les avis de ses experts, de ses comités. Elle rend un avis. Le gestionnaire de risque doit prendre ses décisions. Si des règles déontologiques très strictes ont été mises en place, si des process très stricts ont été mis en place, c'est pour éviter cette dérive éventuelle. On n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une influence en la matière. Mais il me semble que la façon dont c'est processé aujourd'hui, si je puis dire, permet d'éviter ce risque. Alors ensuite, sur la crise influenza aviaire, vous m'avez posé, madame, la question de la politique d'abattage versus la politique de vaccination. Avant de parler de l'influenza, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de la rage, qui est assez différent, mais enfin, il y a des points communs. Parce que lorsque la rage sévissait en Europe, la seule politique que l'on connaissait, c'était la politique d'abattage. Il fallait tuer les renards. Alors, on limitait la pression, on limitait les risques de contamination humaine ou des animaux domestiques, mais pour autant, la maladie ne disparaissait pas. Et à l'époque, c'est le laboratoire de Nancy, qui est aujourd'hui un laboratoire de l'ANSES, qui, dans les années 80, a développé un vaccin et une politique vaccinale, avec un vaccin vivant, des appâts jetés par hélicoptère, etc. Et en fait, la conjonction d'une politique d'abattage et d'une politique de vaccination a permis de se débarrasser de la rage en Europe. C'est quand même tout à fait exemplaire. Alors, on ne peut pas extrapoler directement avec ce qui se passe en matière d'influenza aviaire. Pour autant, donc ça montre bien que très souvent, lorsqu'on a une maladie épizootique ou une maladie majeure en termes de risque pour l'homme, la première politique menée, c'est mondial, hein, c'est de faire de l'éradication. Et ensuite, il faut essayer de trouver des mesures autres qui permettent d'éradiquer la maladie sans éradiquer les animaux. Pour des raisons évidentes, si on pense aux volailles, de pertes économiques de consommation. Et puis des questions éthiques aussi. Parce que moi, j'ai vu des collègues en charge des abattages sur le terrain rentrer en dépression. Parce qu'effectivement, passer son temps à abattre des canards ou des poules ou autre chose, moralement, c'est quand même très difficile. Donc il y a aussi, et puis il y a une attente sociétale en la matière. Donc c'est important de pouvoir trouver d'autres voies que l'abattage systématique. La difficulté que l'on a, c'est le risque, les virus influenza, qu'ils soient humains ou aviaires, sont des virus qui mutent énormément. Donc le risque, c'est que ce virus s'adapte à l'homme. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les virus identifiés dans les élevages ou sur de différentes espèces animales sont très suivis. Et il y a un séquençage génomique qui permet de les suivre de manière extrêmement fine. On voit bien que quand même aujourd'hui, l'épizootie que l'on connaît et que l'on connaît dans beaucoup de pays, hein, pas uniquement en France, elle est extrêmement vaste. Elle touche bien sûr des volailles. On s'aperçoit que vous avez dû le voir bien sûr dans la presse. Il y a un chat qui a été touché, un ours captif. Il y a différents mammifères, hein, otaries, phoques, etc. Donc il y a un passage aux mammifères, mais qui n'est pas ensuite, qui ne réplique pas, qui ne se diffuse pas dans l'espèce considérée. Par contre, il y a une des dernières études sur la souche qui a été identifiée sur l'ours a montré qu'il y a non pas une pathogénicité directe pour l'homme, mais il y a une adaptation aux mammifères. Parce qu'un grand sujet pour les virus influenza, c'est le développement à 40 degrés ou à 37 degrés. Donc ces virus, il faut être extrêmement vigilant, parce que si on n'y prend pas garde, effectivement, et si on vaccine sans prendre de précautions suffisantes, le virus peut continuer de circuler, on peut continuer d'excréter du virus et il peut s'adapter à d'autres espèces animales. Alors, il y a une expertise qui a été conduite par l'ANSES, qui va être rendue le 31 mars. Donc, c'est très, très proche. Et elle est extrêmement intéressante, cette étude, parce qu'elle propose effectivement de vacciner avec différents types de vaccins qui sont disponibles.
Mais on ne peut pas. Alors, ce sera sur les canards. Alors, sachant que les Pays-Bas le font sur des pondeuses, les Italiens le font sur les dindes. Donc, ça permet. Le travail européen permet de le faire sur toutes les espèces de volailles. Et ce qui est intéressant, c'est de bien considérer que la vaccination est une chose, mais elle ne peut pas se faire seule. Il est impératif de faire des contrôles hebdomadaires en PCR pour s'assurer que les virus ne circulent pas. Et on peut espérer. Et c'est l'objectif poursuivi qu'avec ce protocole, en s'assurant que le virus ne circule pas, on va casser la chaîne de transmission-retransmission, animal sauvage, animal domestique, animal sauvage, etc. Donc c'est la stratégie qui est en train de se développer au niveau européen, mais c'est quelque chose qui est relativement lourd. Il n'y a pas un vaccin universel qui va protéger contre toutes les souches et qui va empêcher d'excréter et empêcher que les animaux soient malades. Il y a des niveaux de performance variables. Donc c'est vraiment la piste à poursuivre. Il faut savoir que sur les canards, ça va coûter, si on fait tous les canards en France, ce sera 40 millions d'euros. Et de mémoire, si on fait l'ensemble des volailles, c'est 350 millions. Voilà. Donc c'est un investissement qu'il faut faire. Ce sera toujours moins cher que d'abattre pour 1 milliard d'euros de volailles. Mais on voit que la science... vous voyez, quand j'étais DGAL, ce protocole-là, on ne pouvait pas l'imaginer. On n'avait pas les outils nécessaires. Aujourd'hui, on y est. Donc, je fonde de bons espoirs. Comme c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, je fonde de bons espoirs dans ces dispositifs. Et s'agissant des exportations, puisque vous posiez la question, parce qu'effectivement, un des grands sujets, c'était le blocage des exportations, et nous sommes gros exportateurs en la matière, dans la mesure où le phénomène est mondial aujourd'hui, où beaucoup de pays sont en train de se lancer sur le sujet. Il y a eu une réunion en Thaïlande il y a un mois à peu près avec l'Organisation mondiale de la santé animale. Les problématiques sont les mêmes pour tous les pays du monde et donc on se prémunit de perdre les marchés que l'on a à l'exportation. Normalement, les accords pourront être trouvés. Voilà en gros sur l'influenza. S'agissant de la question sur l'obésité, effectivement, il y a un certain nombre de signaux, des signaux de santé qui sont très inquiétants en la matière, hein, et le Covid n'a pas arrangé les choses. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut une action de l'ANSES sur le sujet, mais pas que, parce qu'effectivement, il y a le ministère en charge de l'Agriculture, le ministère de la Santé, Santé publique France, il y a un certain nombre d'organes qui doivent être impliqués sur le sujet. Alors, vous avez évoqué information, communication. Alors, c'est important, mais moi, je pense qu'il y a le sujet formation qui est essentiel, et formation dès le plus jeune âge. Ça me paraît important. Ça rejoint aussi la question des repas végétariens, où effectivement, c'est pas forcément par la contrainte peut être une chose, mais la formation, la sensibilisation sur la diversification de l'alimentation et sur le bon équilibre entre tous les types d'aliments et notamment fruits et légumes en quantité suffisante, la formation dès le plus jeune âge est importante, sachant que les parents ne sont pas toujours, en fonction des situations sociales, les meilleurs informés ou les meilleurs formateurs pour les enfants. Peut-être à ce stade, un point sur les, puisque ont été évoqués les nitrites tout à l'heure. Alors sur ce sujet, effectivement, il est bien identifié que les nitrites sont à l'origine de nitrosamine et il y a un effet cancérogène. Ça c'est très bien identifié. Alors moi, je ne suis pas le spécialiste du sujet et celui qui va décider en la matière. Bien entendu, il y a des comités d'experts et puis il y a des ministères gestionnaires. En l'occurrence, sur l'utilisation des nitrites, le ministère de l'Agriculture est en charge, avec les autres ministères, de la mise en place de dispositifs réglementaires. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'il y a un apport par l'alimentation et l'eau, effectivement. L'apport par l'alimentation, c'est en partie les charcuteries, mais c'est aussi beaucoup les produits végétaux. Donc la suppression des nitrites dans la charcuterie, pourquoi pas, mais ça ne va pas résoudre le problème, puisqu'on a toujours un apport de nitrites ou de nitrates assez important. Pour pouvoir diminuer les doses dans les charcuteries, il y a la question de la limitation de la multiplication bactériologique.
Alors, on parle souvent des listeria, des salmonelles et autres germes responsables du botulisme. Dans le rapport de l'AFSA, c'est bien indiqué, c'est-à-dire que sur le jambon pour les listeria, on peut réduire la DLC. Bon, c'est un sujet commercial pour les opérateurs agroalimentaires. Pour le botulisme, c'est plutôt au niveau des jambons secs et bon, c'est au niveau de la maîtrise du process de fabrication du jambon sec, c'est envisageable. Pour les salmonelles, on a la question des saucissons secs. Les chiffres sont assez intéressants parce qu'on voit que le risque d'intoxication à salmonelle, si on supprime totalement les nitrites, monte en flèche. Il y a un risque multiplié par 350, je crois, c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se pencher sur le sujet, mais ça veut dire que, me semble-t-il, qu'il faut avoir une approche vraiment globale, un peu à l'image de ce qu'on a fait pour d'autres germes dans d'autres espèces animales. C'est-à-dire que l'effort de baisse des nitrites va sûrement amener à aménager certains modes de transformation, mais ça va aussi amener à réfléchir sur l'ensemble des filières, sur l'ensemble de la filière, parce que les salmonelles, elles peuvent venir de l'élevage, elles peuvent venir d'une contamination en usine, d'une contamination à la manipulation. Donc on ne peut pas le faire, me semble-t-il, de manière isolée. Il y a vraiment un continuum depuis la production de l'animal vivant jusqu'à sa transformation, si on prend l'exemple en saucisson, si on prend cet exemple-là. Donc effectivement, le côté cancérogène nécessite qu'on se penche sur le sujet, et peut-être en diminuant les doses, mais là c'est vraiment au gestionnaire hein, d'en décider. Mais il faut qu'on ait une approche globale sur l'ensemble des dispositifs. Alors ensuite, sur le rôle du... Je les prends un peu dans le désordre, je suis désolé. Sur le rôle du président par rapport au DG. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un poste non exécutif, la présidence, oui. Un directeur général dirige, un président préside. Comment est-ce que cela s'articule? Il me semble, alors je vous ai cité cinq ambitions tout à l'heure au regard de la mission de président. Moi, je pense que d'abord, c'est de se faire en bonne intelligence. Alors, le président, c'est le conseil d'administration. Hein, d'abord, ce n'est pas que le président, c'est bien le conseil d'administration. Et quelque part, le conseil d'administration, il est là pour s'assurer que la stratégie de l'agence, elle est bien développée en fonction d'un certain nombre d'orientations qui ont été arrêtées. Ça doit être fait en bonne intelligence avec le directeur général qui pilote son agence et qui met en place d'ailleurs un contrat d'objectifs et de performance signé avec les ministères de tutelle. Et il faut que le conseil d'administration soit particulièrement attentif au bon fonctionnement de l'agence au regard des attentes du conseil scientifique. On a parlé de l'expertise. Je pense qu'effectivement, il faut que le conseil d'administration se penche sur ce sujet de l'expertise et prenne à son compte un certain nombre de recommandations et analyse avec l'agence les dispositifs qui vont être mis en place. Il faut qu'il le fasse avec l'éclairage des comités d'orientation thématique, parce que ces comités d'orientation thématique, qui sont des émanations du conseil d'administration sur les sujets, il y en a cinq, hein, sur les principaux sujets thématiques de l'agence, ils permettent de mettre en évidence, bien sûr, les attentes des différents acteurs, les attentes sociétales, et c'est en ce sens que le conseil d'administration doit, à mon sens, porter les orientations de l'agence. Ça me paraît un point important. Par rapport ensuite aux différents acteurs, un membre de la commission évoquait le qui fait quoi et quelle est la responsabilité de l'ANSES. Alors, sur le qui fait quoi, c'est pas toujours facilement lisible. On est d'accord. Bon, mais globalement, si on prend une thématique donnée, il y a des domaines sur lesquels l'ANSES n'est qu'évaluateur du risque. Il y a ensuite un décideur, un gestionnaire de risque qui, sur la base des avis rendus, va prendre sa décision. On parlait tout à l'heure des nitrites, pour prendre cet exemple-là. L'ANSES a rendu un avis, des recommandations, et en fait, c'est au gestionnaire de risque, au ministère, de prendre une décision en la matière. Donc, lorsqu'on est sur un champ d'expertise scientifique, l'ANSES peut éventuellement matérialiser le champ de l'incertitude,
peut éventuellement faire des recommandations de gestion. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Et ça fait partie de l'analyse de risque internationale. Hein. Dans l'évaluation de risque, il y a la recommandation de gestion. Mais ensuite, le décideur, il décide et il en assume la responsabilité. C'est presque un cas de figure, le cas de figure le plus simple, finalement. Il y a l'autre cas de figure où quel est le rôle de l'ANSES lorsque l'ANSES est gestionnaire pour les autorisations de produits telles qu'on les évoquait tout à l'heure, les médicaments, les produits phyto, les biocides. Dans ce cas-là, alors qui fait quoi? Je ne veux pas dire que l'ANSES fait tout, mais elle en fait une bonne partie, puisqu'elle fait l'évaluation et elle prend la décision. Ce qui est essentiel, et ça revient, on revient au rapport sur l'expertise, ce qui est essentiel, c'est que l'on s'assure, au niveau de l'agence, au niveau du conseil d'administration, au niveau du conseil scientifique, que les compartiments sont suffisamment étanches pour qu'effectivement, il y ait une évaluation scientifique robuste, indiscutable, et puis qu'à côté, il y ait un process de décision qui ne se fait pas dans la même sous-structure, en fait. Hein. Je prends l'exemple du médicament, il y a un département de l'évaluation, il y a un département de l'autorisation. Les gens se parlent, mais les responsabilités sont clairement partagées. C'est au cas par cas. Alors, c'est vrai que le paysage est tellement foisonnant que c'est parfois difficile de s'y retrouver, mais les responsabilités, me semble-t-il, sont bien précisées. Il y a peut-être un domaine un petit peu plus complexe sur production de données, veille, surveillance, vigilance, où là, effectivement, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et c'est pour ça que j'évoquais la question du rapprochement avec Santé publique France tout à l'heure dans mon propos, dans les cinq ambitions que j'avais, où je pense que, il y a un rapprochement et une amélioration des échanges à opérer. Il y a deux questions que je vais peut-être rapprocher. C'est la question sur le chlordécone, qui est effectivement... Oui. Non, vous inquiétez pas, non, tout est noté là. Mais j'essaie. Ouais, non, et puis j'essaie d'en regrouper quoi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant de parler de ce sujet-là et non pas de répondre, mais d'essayer de répondre à la question de la confiance. Essayez. Oui, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Parce que c'est vrai qu'on a. Alors, j'ai un peu connu le dossier quand j'étais DGAL. Je le redécouvre en tant que potentiel président de l'ANSES. Ce que je constate, c'est que, effectivement, ce sujet dure depuis un temps plus que certain. Je constate néanmoins qu'il y a un certain nombre de progrès qui sont faits avec les études de consommation, avec les VTR qui ont été définis, VTR interne externe, les recommandations de consommation, il y a quand même des améliorations. On s'aperçoit aussi que moi j'avais en tête que la demi-vie du chlordécone était de 500 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça, hein, c'est dans le rapport de l'ANSES, on s'aperçoit qu'effectivement la dégradation est peut-être plus rapide que prévu, il y a peut-être des moyens aussi d'opérer ces réductions. Donc on progresse en la matière sur chlordécone. Il faut absolument, me semble-t-il, mais là aussi il y a une question, tout n'est pas de la responsabilité d'un président de CA, il peut faire un certain nombre de recommandations, mais il y a une responsabilité agence et puis une responsabilité des ministères de tutelle. Moi, je pense que en termes de suivi de l'imprégnation de l'environnement, de l'imprégnation des populations, il y a un point extrêmement important, suivi des pathologies éventuelles, de capacité d'analyse sur place. Parce que si j'ai bien compris, on est toujours un petit peu en manque de capacité d'analyse sur place, je le dis de manière soft. Voilà. Voilà. C'est un sujet qui était identifié déjà il y a un petit moment. Donc il faut qu'on continue d'investiguer sur ces sujets et puis de mettre en place des mesures de autant que faire se peut, d'atténuation de l'exposition à la consommation. Mais ça rejoint bien la question de la confiance, parce que il y a eu sur ce sujet une rupture de confiance, hein, voilà, on va dire les choses clairement, qu'on peut comprendre, vu ce qui s'est passé. Donc il faut rebâtir quelque chose par
dans la mesure où on met en place un certain nombre de dispositifs, hein, de recherche, d'études, d'accompagnement. Il faut y mettre les moyens, il faut des échanges extrêmement fréquents. La confiance se bâtira, enfin sur ce sujet-là en particulier, elle ne se bâtira pas en claquant des doigts. Ça va prendre du temps. Mais par rapport à... là, c'est sur un dossier précis qui est quand même vraiment emblématique d'une situation, d'une mauvaise situation. Après, plus globalement, lorsqu'on se reporte sur le rapport du conseil scientifique, effectivement, la question de la confiance, les scientifiques peuvent aider à la bâtir, mais je pense que le conseil d'administration a un rôle important à jouer, parce qu'en fait, c'est les échanges avec les parties prenantes, c'est le débat public qui doivent permettre... Alors, il ne faut rien occulter, hein. S'il y a des difficultés, ben, il faut les mettre sur la table et il faut expliquer ce que l'on met en place pour les maîtriser. Mais je pense que le conseil scientifique doit avoir un rôle, doit lui aussi être suffisamment, avec l'ensemble des parties prenantes, suffisamment indépendant pour essayer de contribuer à construire cette confiance. Pour les cas de figure, elle n'existe pas, parce que je ne veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même beaucoup de domaines où l'action de l'ANSES est considérée comme crédible. Notre dispositif, qui est toujours perfectible, nous est quand même largement envié au niveau international. Alors, il ne faut pas forcément se satisfaire des turpitudes des autres, hein, on est bien d'accord. Mais pour autant, on a un dispositif qui a évolué extrêmement vite, qui est monté en puissance. Mais ce voilà, sujet de la confiance, c'est un sujet au long cours sur lequel le conseil d'administration devra travailler avec les parties prenantes, surtout pas seul. Ça me paraît essentiel. Alors ensuite, sur les électro-hypersensibles, je vais commencer par la fin. Est-ce qu'il faut reconnaître officiellement la pathologie? J'en sais rien. Je ne suis pas capable de vous répondre. On a un vrai problème d'objectivation. C'est effectivement... Il y a des signes cliniques, ça c'est évident, des gens qui sont hypersensibles. Mais c'est pas, je ne suis pas scientifique quand je dis ça. Hein. Le problème, c'est la démonstration, l'expérimentation, comment procéder. C'est extrêmement difficile à démontrer. Ça renvoie au sujet que j'évoquais tout à l'heure sur les données. Parce que, à mon sens, je pense que ce sujet-là n'est pas différent des autres. C'est-à-dire que si on n'a pas des données massives, extrêmement nombreuses, le signal faible, on n'arrivera pas à l'identifier, me semble-t-il. Donc ça passe par la poursuite d'études, mais poursuite d'études avec des données de masse, et pas seules au niveau de l'ANSES. Ça veut dire qu'effectivement, il faut de la donnée médicale, quelque part de la donnée administrative médicale, et ça, c'est avec la Santé publique France en particulier qu'on peut le faire. Je trouve que c'est une bonne illustration de ce que peut-être apporter une politique de données massives au niveau français et au niveau européen, parce qu'on a aussi la problématique de la collecte des données au niveau européen. Donc ce serait plutôt le sens de ma réflexion. Alors après, est-ce qu'il faudra l'autoriser, le reconnaître officiellement comme pathologie? Je ne sais pas, mais il faut qu'on arrive à caractériser le sujet. Les nitrites, on en a parlé. Alors, les PFAS, oui, les PFAS, où est-ce que j'ai mis? C'était quoi la question? Alors, les PFAS, je l'ai noté quelque part, ça va revenir, excusez-moi. Mis quelque part. Je vais essayer de me remettre la question en tête parce que je la retrouve pas là. Mais... Ouais. Alors, je suis sûrement pas le plus compétent sur le sujet des PFAS.
Je ne vais pas renvoyer à nouveau à la question des données, parce que vous allez dire que je n'utilise que cet élément-là pour répondre à vos questions. Mais il y a un sujet de connaissance et puis de mesures à prendre pour éviter les expositions. Mais je ne vais pas être bon sur la réponse. Là, donc je vais m'en arrêter là. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais je l'ai regardé rapidement, ce sujet-là. Et c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais travaillé, je vais être très franc avec vous. Donc, je ne le maîtrise pas suffisamment. Il vaut mieux le dire quand on ne sait pas. Végétalisation de l'aliment, on en a parlé. Alors, la question des moyens. Vous avez posé la question des moyens. Est-ce que l'ANSES dispose des moyens nécessaires? Alors, on a toujours tendance à dire, quand on est dans une organisation, qu'on n'a jamais assez de moyens. Hein. Même quand on est à la DGL, on dit qu'on n'a pas assez de moyens. Pour autant, il y a des champs extrêmement variés à l'ANSES. J'évoquais la question de la recherche tout à l'heure, à la fois comme opérateur de recherche et comme prescripteur de recherche. Moi, ce qui me semble, c'est que, et c'est lié, je pense, à l'histoire, hein, puisque historiquement, les moyens de recherche venaient vraiment des laboratoires. Bon, c'est monté en puissance, mais la source était là. Le constat que je fais, c'est que les moyens dédiés pour la santé au travail et pour la santé environnementale mériteraient peut-être d'être augmentés. Puisque quand on regarde sur la santé au travail, c'est environ dans le PNRST 1 million d'euros uniquement. Et puis, il y a un peu d'apport de la part de la Direction générale du travail. Donc, sur ce sujet-là, on est à un niveau relativement faible. Et en matière de santé environnementale, il y a une difficulté, me semble-t-il, parce qu'en fait, il y a un foisonnement des organismes qui interviennent. Alors, il y a des moyens importants, finalement, qui sont dédiés, mais tout ça foisonne tellement que... On aura peut-être besoin d'une... Enfin, il y a eu un certain nombre de rapports sur le sujet, hein, y compris de parlementaires, d'avoir un pilotage à un niveau supra pour savoir vraiment les moyens qui y sont mis, ce qui se fait, puis avoir une vraie politique en matière de santé environnementale. On a des grands programmes qui vont contribuer à la santé environnementale, hein, qui sont mis en œuvre. Je pense au programme PARC sur les substances chimiques, je l'ai cité tout à l'heure, hein, qui est un gros programme européen à 700 millions d'euros, piloté par l'ANSES. Il y a d'autres programmes européens, mais il y a un programme qui va être développé en matière d'exposome. Hein, il y a eu un certain nombre de travaux. L'exposome est dans la loi de 2016, la loi de santé de 2016. Mais pour l'instant, d'ailleurs, les moyens ne sont pas dégagés. L'INSERM est bien sûr extrêmement concerné par ce dossier. Donc, sur les moyens de l'agence, moi, j'identifie cette problématique santé environnementale et santé au travail. J'identifie la problématique de la recherche et des données. Et j'identifie aussi la problématique des urgences. Est-ce que l'ANSES est suffisamment dimensionné? Ça a été soulevé par le comité d'experts, mais est-ce qu'elle est suffisamment dimensionnée au regard des besoins qui iront sûrement grandissant quand on voit les défis qu'on a devant nous avec les différentes émergences de pathologies, les différents éléments liés au dérèglement climatique. Donc c'est peut-être les secteurs sur lesquels, en termes de moyens, il faudra s'interroger. Alors ensuite, il y avait une question sur la controverse et les tensions au regard de l'usage qui est fait, parfois, si j'ai bien compris les propos, de façon un peu partiale des travaux. En fait, moi, ce qui me semble, c'est qu'il est important que les travaux qui sont publiés, d'abord, aient la crédibilité nécessaire, c'est-à-dire la robustesse, la base scientifique, l'indépendance, l'impartialité, la transparence. Et s'il y a un usage partial ou détourné, entre guillemets, c'est le droit de réponse. C'est effectivement l'explication, l'échange avec l'ensemble des parties prenantes pour éviter ce genre de situation.
et la communication et l'information sur le sujet. On n'empêchera jamais quelqu'un, enfin, ou une structure d'utiliser à mauvais escient ou de déformer un certain nombre de recherches ou d'études. Il faut être capable de répondre et de constater qu'il y a une amélioration apportée, soit de constater qu'il y a eu détournement et qu'il faut réaffirmer la robustesse du dispositif. Puis il y avait la question sur quid de l'inflation des missions, parce que c'est vrai que moi je l'ai vécu de l'autre côté de la barrière en tant que DGL. On a été amené, et on continue de le faire, je le constate, à renforcer les missions de l'ANSES, parce que finalement, sur les sujets d'intérêt pour l'ANSES, lorsqu'un besoin est exprimé, c'est vraiment l'agence de référence en la matière. Donc la discussion, c'est toujours d'être en capacité de confier à l'ANSES ses missions nouvelles, si missions nouvelles il y a, mais de l'accompagner de moyens. La plupart du temps, c'est fait, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, mais c'est effectivement le creuset, l'ANSES est le creuset qui reçoit effectivement beaucoup de missions du fait de son exercice. Obésité, on en a parlé, l'expertise, chlordécone. Je pense qu'on a... Très bien, monsieur de Haumont. Je vous remercie. Je vous remercie pour, évidemment, tous ces éléments de réponse très étoffés, très riches, très précis. Je pense que tout le monde est satisfait. Donc, voilà, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance, alors. Merci bien. Et nous, on va poursuivre. Hein. Ne partez pas, mes chers collègues. Nous avons encore la fin d'une proposition de loi très importante, n'est-ce pas ? Et très intéressante en plus. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. Je fais une pause de 3 minutes.
Bien, mes chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux entamés ce matin et de conclure l'examen en deuxième lecture donc de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Nous en étions à l'article 1er quater, avec des amendements identiques proposés par Madame la rapporteure et Monsieur Bazin. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, effectivement, je viens de déposer à l'identique cet amendement, qui était au départ un amendement d'ailleurs de Monsieur Bazin, qui vient compléter l'amendement adopté à l'initiative également de notre collègue, donc Monsieur Bazin, sur l'article 1er. Et donc, c'est aussi pour être tout à fait cohérent, qui vise à étendre la procédure d'agrément aux centres de santé ayant une activité orthoptique. On en a parlé ce matin. Donc, il est logique de prévoir aussi cette extension pour la procédure d'agrément du stock des centres de santé déjà en activité définis à l'article 1er quater. Donc, cet amendement vise donc à reprendre l'amendement qui a été déposé par M. Bazin. Très bien, merci. C'est un bel amendement, bien sûr. Tout à fait. Donc, c'est ce qui justifie qu'il soit couvert par Mme la rapporteure. Donc, à ce titre, vous comprendrez qu'il y a un avis favorable de Mme la rapporteure. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Bien, il est adopté. Je vous remercie. Et on transmettra à M. Bazin pour le rassurer. Amendement suivant, le 51, M. Pétavi. Attendez. Décidément, madame. Merci. Bon, alors, le groupe écologiste réitère son regret que les activités gynécologiques... Alors, vous l'avez expliqué, madame... Alors, pas la présidente, mais rapporteur. C'est quand même indiqué dans les centres de santé la question des activités gynécologiques. J'ai bien compris que lors des... discussion, il n'y avait pas eu de problème de ce côté-là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui, notamment sur toutes les violences qui peuvent être faites d'actes problématiques, en fait, on en parle peu et c'est peu reconnu. Et c'est vrai que pour le coup, de pouvoir l'inscrire là-dedans peut permettre justement à certaines femmes de pouvoir en parler. Et puis, ça vient rajouter une prévention peut-être là où, s'il n'y a pas eu de soucis, ça éviterait qu'il y en ait d'autres par la suite. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc je vais être constante et cohérente avec moi-même. Donc je suis toujours aussi défavorable à cet amendement. Encore une fois, vraiment, nous avons retiré donc, de cette proposition de loi les centres gynécologiques parce que ça, vraiment, il n'y avait à aucun moment d'effet probant, prouvant effectivement qu'on devait les inscrire. Mais bien sûr, j'entends bien sûr vos alertes hein, et nous serons bien sûr vigilants. Mais j'ai expliqué par rapport aux centres gynécologiques ce matin, en fait, ce n'étaient pas des centres, comme on l'entend, de santé. Monsieur Pétavi ? Oui, mais sur la question des IVG, par exemple, ça fait partie des actes des centres de santé. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Donc, je pense qu'il y a... Enfin, voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Madame la rapporteure. Je l'ai tout à fait en tête, monsieur le député. N'ayez crainte. Voilà, de la constance de part et d'autre. Donc, je soumets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. On vous le reconnaît bien volontiers, M. Pétavi. À un moment suivant, présenté par Mme la rapporteure, le 41. Alors, le 41, M. le Président, merci. Le c'était juste rédactionnel, tout comme le suivant. Voilà, donc 41 et 42. Donc, je vous propose donc de mettre aux voix ces amendements rédactionnels. Donc, le 41, qui est pour ? Qui est contre ? Le 42, même avis, même vote ? Eh bien, je vous remercie, ils sont adoptés. Amendement faisant l'objet d'un sous-amendement, donc... Nous allons passer par d'abord pour le sous-amendement de Monsieur Monnet, pardon. L'amendement de Monsieur Monnet, pardon. Je vous donne. Merci, Monsieur le Président. L'idée, c'est que toutes les structures aient les mêmes demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le texte prévoit des demandes d'agrément pour des centres provisoires et donc d'intégrer dans les demandes la question de la qualification et du contrat de travail pour que tout le monde soit loti à la même enseigne. Madame la rapporteure. Très bien. Alors, monsieur le député, mon cher collègue, vous avez raison. Dans votre amendement, l'article 1 quater devrait renvoyer aussi au 4 de l'article L6323-1-11 pour qu'on soit bien sûr que les centres déjà en activité
seront ou soient bien soumis à l'intégralité de la procédure d'agrément prévue à l'article 1er. Je propose donc de supprimer le 1 de votre amendement, qui est inutile du fait de ce renvoi aux 3 et 4 de l'article L6323-1-11. Donc c'est un sous-amendement que je vous propose. Et si vous acceptez effectivement mon sous-amendement, je donne un avis favorable à votre amendement. Monsieur Monnet ? Pas de problème. C'est peut-être mon collègue risque d'être jaloux, mais il n'est pas là pour le voir. Eh bien, profitons-en. Donc, je soumets d'abord au vote le sous-amendement présenté par Madame la rapporteure, avec avis favorable, bien évidemment, qui est pour, qui est contre, que le sous-amendement est adopté. Et donc, je soumets maintenant l'amendement ainsi sous-amendé, donc l'amendement numéro 7 présenté par Monsieur Monnet, avec avis favorable, Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Eh bien, il est adopté. Je passe à l'amendement 62 présenté par Monsieur Pétavi. Donc cet article propose de réguler les centres de santé ayant été autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de cette proposition de loi par l'obligation d'une demande d'agrément auprès de l'ARS. Il propose notamment d'établir un délai de 30 mois pour obtenir cet agrément, sous peine d'une interdiction d'exercer des activités de soins. Le groupe écologiste considère toutefois que, compte tenu de la gravité de la situation et de l'urgence à renforcer les contrôles, notamment à destination des centres malhonnêtes, ce délai de 2 ans et demi semble beaucoup trop long. Nous invitons donc, par cet amendement, à raccourcir le délai et passer à une période de 15 mois, ce qui nous semble largement suffisant pour bénéficier de l'agrément nécessaire. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc, par cet amendement, vous voudriez accélérer de manière drastique la procédure d'examen des demandes d'agrément du stock des centres déjà en activité. Et donc, pour faire passer ce délai de 30, vous voudriez le faire passer à 15 mois. Et franchement, au regard des auditions que nous avons eues, au départ d'ailleurs, je pense qu'on avait déjà, je crois, 2 ans, on a dû rallonger 2 ans et demi, au regard, bien sûr, des alertes qui ont été émises par les ARS, notamment pour Île-de-France et la région PACA. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je ne peux pas accepter cet amendement, donc j'y suis défavorable. Au demeurant, je comprends bien sûr votre inquiétude et je pense que faisons encore là une fois confiance aux ARS pour, instruire les dossiers au plus vite, notamment quand elles ont des alertes sur certains centres déviants. Voilà, donc je serai défavorable. Sinon, je vous demande d'ailleurs de le retirer, mais voilà, je suppose que non. Bien, profitons de notre constance bienveillante. Donc, nous allons passer au vote sur ce amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er quater ainsi modifié. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? La commission a adopté l'article ainsi modifié. L'article quinquies ne fait pas l'objet d'amendement. Donc je mets aux voix l'article 1er quinquies. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article est donc adopté. Passons à l'article 2 avec un amendement faisant l'objet d'un sous-amendement. Madame la rapporteure, pour votre amendement. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous propose, par le biais de cet amendement, la réécriture concernant le comité médical. Le Sénat a largement modifié la rédaction que nous avions adoptée pour l'article 2. Il a renvoyé au règlement l'essentiel des dispositions sur le fonctionnement du comité médical et du comité dentaire. Il a aussi élargi la composition du comité à l'ensemble des professionnels de santé du centre de santé. Il a atténué, par contre, la rédaction votée par l'Assemblée pour prévoir que le comité n'est plus responsable, mais contribue simplement à la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins et à la formation continue des salariés du centre de santé. Je pense que ces évolutions sont dommageables et risquent de priver le comité de toute utilité. Et on s'était déjà mis d'accord lors de la première lecture. La vocation de ce comité est de responsabiliser les médecins du centre. Le gestionnaire doit s'intéresser aux problématiques de qualité et de sécurité des soins, de fournir un interlocuteur à l'ARS sur ces questions et de garantir un bon niveau de transparence. L'atteinte de ces objectifs suppose une rédaction donc précise sur les modalités de fonctionnement du centre, sur la désignation d'une présidence stable, sur la communication des comptes rendus. Elle suppose que les médecins se sentent pleinement investis d'une responsabilité qu'ils ne pourraient aucunement déléguer aux soignants ou prendre à la légère.
Donc pour toutes ces raisons, je vous propose d'en revenir pour l'essentiel à la rédaction de l'Assemblée nationale. Cette rédaction est simplement modifiée pour assurer une représentation des soignants ainsi que des usagers au moins une fois par an au sein de ce comité. On s'était déjà d'ailleurs mis d'accord au cours de la première lecture qu'il fallait effectivement que ce comité médical ou dentaire vraiment ait la possibilité, j'allais dire, d'agir sur les différentes alertes. C'est la raison pour laquelle donc, je vous propose cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. J'ai deux sous-amendements proposés par Monsieur Pédavi dans la constance de la défense des gynécologiques. Donc 80 et 81. Défendu. C'est une constance qui devient un peu plus... Ça, c'était pour le... Le premier, le 80, oui. Et le deuxième... C'était sur la même chose ? Il renvoie la composition. Non, monsieur, je vais le faire. Donc, l'article 2 propose la création au sein des centres de santé des comités dédiés à l'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins. Cette proposition peut permettre de prévenir davantage la survenue de fraudes d'une gravité sans précédent, telle que celle constatée au sein des groupes Dentexia et Proxy Dentaire et à Nouveau Lieu. Ces fraudes, en effet, ont en effet pu être commises parce que certains centres de santé, en particulier ceux détenus par les groupes gestionnaires privés, avaient le champ libre pour tromper des patients et braquer la sécurité sociale. Ainsi, dans un souci de transparence et afin de prévenir tout conflit d'intérêts, le groupe écologiste propose par cet amendement que l'Agence régionale de santé puisse disposer de la composition précise des membres de ces comités. Merci, Madame la rapporteure. Votre avis sur ces deux sous-amendements ? Micro. Alors, pour ce qui est de l'amendement sur le mot gynécologique et dentaire, donc je vais être constante, monsieur le député, hein, vous comprendrez, comme vous. Donc j'y suis défavorable. Pour le sous-amendement suivant, franchement, c'est déjà satisfait, puisque dans le cadre de la composition pour ce qui est du comité médical et dentaire, de toute façon, tous les médecins et tous les dentistes feront partie de ce comité médical. Donc, en fait, c'est déjà satisfait. C'est la raison pour laquelle je vous demande un retrait. Retrait ? Le 80 est retiré ? Par contre, il est constant par rapport à l'autre. Mais il avait été retiré aussi tout à l'heure, c'est pour ça. Donc, le 80 étant retiré, je vous propose de passer au vote du sous-amendement 80 défendu par M. Pétavi avec avis défavorable de Mme la rapporteure. 80. 80 est retiré et nous votons sur le 80. Donc, qui est pour ? M. Pétavi. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Et donc, je mets aux voix l'amendement 35 de Mme la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Et donc, il fait tomber les amendements 25, 61, 60, 21 et 22. Nous en arrivons donc à l'amendement 36 présenté par Mme la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous propose aussi, là aussi, une réécriture sur la transparence sur les professionnels de santé exerçant dans un centre. Effectivement, les centres déviants font souvent preuve d'une opacité importante sur les noms et qualités des professionnels qui effectuent les soins. En première lecture, nous avons eu à cœur de renforcer la transparence en imposant la publication des noms et fonctions des professionnels médicaux qui exercent dans le centre et le port obligatoire, rappelez-vous, d'un badge nominatif. Le Sénat a reformulé ces dispositions en énonçant de façon beaucoup plus générale une obligation d'information sur tout support utile sur les professionnels médicaux qui exercent dans le centre. Je pense vraiment qu'il nous faut inscrire ceci dans la loi, qu'une rédaction beaucoup plus précise est préférable sur le sujet, car je sais que les gestionnaires peu scrupuleux ont tendance à interpréter à leur avantage toute législation qui laisse des marges de manœuvre. Je vous propose donc d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale en conservant cependant l'ajout du Sénat en vertu duquel l'identification des professionnels médicaux par les patients doit être possible, et là le Sénat a raison, dès la prise de rendez-vous. C'est en effet trop fréquent que les patients ne sachent pas, ne connaissent pas les professionnels qui ont effectué donc certains soins. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement, Madame la rapporteure. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Il fait tomber donc les amendements 18, 16 et 20. Je mets donc aux voix l'article 2 ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 2 ainsi modifié est adopté.
L'article 2 bis n'ayant pas fait l'objet d'amendement, je mets donc aux voix l'article 2 bis. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous en venons à l'article 4. Alors, les amendements identiques 2 et 4 ne sont pas défendus. Donc c'est l'amendement 52 de M. Pétavi. Donc il ne sera pas... Ben, si, si. Monsieur Pétavi. Monsieur Pétavi, vous voyez, je vous appelle. Hein. L'amendement 52. Déjà. L'article 4, vous avez la parole. C'est bon. Donc cet amendement porté par le groupe écologiste propose de rendre également obligatoire la publication par le directeur général de l'Agence régionale de santé des décisions de sanctions financières sur le site des autorités sanitaires appropriées et la mise en demeure de l'organisme gestionnaire de publier cette décision sur son site internet. L'alinéa 1er de l'article 4 adopté par le Sénat s'en tient en effet qu'à l'obligation de publication par le directeur de l'ARS sur le site de cette dernière. Le groupe écologiste propose ainsi d'aller plus loin dans un souci de transparence à l'égard des usagers et usagères. Merci. Madame la rapporteure, votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le député, vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'obligation de publication des sanctions sur le site internet des autorités sanitaires et du centre de santé. Le Sénat avait prévu effectivement que le directeur général publierait systématiquement sur le site internet de l'ARS les décisions de sanctions prises par le directeur général de l'ARS en réponse à des manquements de la part d'un centre de santé. Donc vous voulez aller encore plus loin. Vous voulez aller jusqu'au bout d'ailleurs de cette logique et étendre cette obligation de publication au site internet des autorités sanitaires et du centre de santé. Cela me paraît cohérent avec l'ajout du Sénat et le but de l'article 4, donc je donnerai un avis favorable à votre amendement. La constance, ça paye. La pugnacité surtout. Bien, donc je propose de mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, donc qui est pour ? Ah, une belle unanimité, je vous en remercie, il est adopté. Madame la rapporteure, peut-être deux amendements rédactionnels pour commencer, le 43 et le 76. Favorable pour les deux, c'est du rédactionnel. Voilà, donc je mets aux voix ces deux amendements rédactionnels. Donc qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés. Amendement suivant, l'amendement 79. Merci bien, Monsieur le Président. Oui, cet amendement vise à prévoir une information des patients en cas de fermeture par l'ARS d'un centre de santé. Ça me semble quand même important. Comme je vous le disais donc lors de la discussion sur l'article 1er, en réponse à l'amendement, mon cher collègue, de notre collègue Sébastien Pétavi, je trouve que c'est une idée utile de prévoir l'information systématique des patients lorsque l'ARS décide de fermer un centre après avoir constaté des manquements. Cela permet aux patients d'être immédiatement alertés et de se signaler auprès de l'ARS s'ils ont subi certains abus ou mauvais traitements. Donc bien sûr, voilà la raison de cet amendement. Très bien. Alors je vous invite donc à voter pour, effectivement, avec l'avis favorable de Mme la rapporteure, qui est pour ? Parfait, l'unanimité, donc je n'ai même pas besoin d'appeler les votes contre. Nous passons à l'amendement 37, Madame la rapporteure. Alors, merci Monsieur le Président. Toute mesure de donc cet amendement vise à concernant les portes sur toutes les mesures de suspension ou de fermeture d'un centre entraîne donc systématiquement le refus d'ouverture d'un autre centre pour ce même gestionnaire. Le Sénat a prévu que lorsqu'un directeur général d'ARS prend la décision de refuser l'agrément ou la délivrance du récépissé à un gestionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou de fermeture pour un autre centre, cette décision s'applique sur tout le territoire national. Mais cette disposition pose problème, en fait, parce que la compétence du directeur général de l'ARS, et vous le savez, est restreinte à la région administrée par son ARS. Il est donc difficilement concevable qu'elle soit applicable et appliquée partout en France. Mais je partage bien sûr l'objectif du Sénat de faire en sorte que les décisions prises à l'encontre des centres déviants soient partagées et harmonisées à l'échelle, bien sûr, nationale. Je pense que le refus de la délivrance de l'agrément ou du récépissé devrait être la norme dans cette situation. Je vous propose donc, à travers cet amendement, de contraindre le directeur général de l'ARS de la manière suivante, si les mesures de suspension, bien sûr, ou de fermeture ont été adoptées à l'encontre d'un gestionnaire, cela entraînera bien sûr automatiquement, je dis bien, le refus de délivrance de l'agrément ou du récépissé. De cette manière, les décisions seront nécessairement harmonisées à l'échelle nationale. Une mesure de suspension ou de fermeture d'un centre est une mesure, bien sûr, forte face à des constats alarmants. Il ne me semble pas excessif de bloquer complètement l'aptitude du gestionnaire à ouvrir des centres dans cette situation.
Voilà l'amendement. Merci. Qui est contraignant, je l'avoue, mais c'est important. Donc, je vous propose de mettre aux voix cet amendement de Madame la rapporteure. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Il fait tomber les amendements 54, 55 et 56. Le 72 et le 68 ne sont pas défendus. Nous en venons donc à l'amendement numéro 38, Madame la rapporteure. Oups là, on y arrive. Je vais très vite. Monsieur Frappé, vous vous exprimez ? Vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Non, simplement une information qui avait été donnée par Monsieur Benz en fin de matinée et qui n'a pas été peut-être notée. En fait, ce n'est pas que l'amendement n'est pas défendu, c'est qu'il retire ses amendements. Voilà, merci. C'est-à-dire que comme il ne l'a pas formalisé et qu'il pouvait le faire lui-même sur le site, il reste dans la discussion. Effectivement, il en avait parlé, mais il ne l'avait pas formalisé. Il m'en a parlé juste avant que je n'arrive. Merci. On considère que ça vaut pour l'ensemble des amendements jusqu'au bout du texte ? D'accord. Très bien. Madame la rapporteure, le 38 ? Je reviens sur effectivement la demande de M. Benz qui avait été formulée oralement avant la fin de la séance. Donc bien noté, M. le député. Alors l'amendement que je vous propose, mes chers collègues, c'est le rétablissement du répertoire national, en fait, qui avait été supprimé par le Sénat. Donc par un souci effectivement d'efficacité et de transparence, je vous propose par le biais de cet amendement de rétablir et de remettre au goût du jour donc le répertoire national que nous voulions dès le début, dès la première lecture. Ça me semble quand même important de pouvoir cibler et de répertorier tous les centres déviants sur une plateforme. On verra dans la mise en œuvre, mais en tout cas c'est très important. Très bien, donc je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure. Donc qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets donc aux voix l'article 4 ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. Nous en venons donc à l'article 5 avec un amendement de Mme la rapporteure, le 44. Juste rédactionnel, Monsieur le Président. Voilà. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu donc un avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je vous en remercie. Les suivants donc, ont été retirés. Donc, je mets donc aux voix l'article 5 ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 5 est ainsi, donc adopté. Article 6, donc l'article ayant été supprimé, donc je ne mets pas aux voix, il est confirmé. Nous passons donc à l'article 7, un moment pour être soumis à discussion commune. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous propose un amendement qui vise à informer les patients sur le déconventionnement d'un centre. Le centre est en activité et entre-temps, il est déconventionné, décision de l'ARS. Eh bien, effectivement, il est important d'informer les patients. C'est l'objet d'ailleurs de l'article 7 qui vise actuellement à interdire au centre de santé d'exiger un paiement anticipé intégral des frais, notamment dentaires. Il a pour but de prévenir certains abus des centres qui ont pour effet de léser financièrement les patients. Donc c'est un article extrêmement important. Il apparaît qu'une autre pratique doit être contrée dans ce même but. L'assurance maladie rapporte que lorsque elle décide de déconventionner un centre de santé, parce qu'il n'a pas respecté ses engagements conventionnels, il arrive que le centre néglige d'en informer les patients. Or, en cas de déconventionnement, le patient n'est plus remboursé sur la base des tarifs d'autorité. Autrement dit, il ne perçoit qu'une somme infime par rapport au coût de l'acte. Dans ce cas, les patients découvrent donc trop tard que le centre a été déconventionné et sont lésés. Donc pour lutter contre cette pratique, je vous propose avec cet amendement d'imposer une obligation d'information des patients du centre en cas de déconventionnement. Très bien. Donc le 28 étant pas défendu, je mets donc aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, donc qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets donc aux voix l'article 7 ainsi modifié. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article 7 ainsi modifié est adopté par la commission. Article 8, nous n'avons pas d'amendement puisqu'ils ont été retirés. Donc je mets aux voix l'article 8. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Article 9, Madame la rapporteure. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, je vous propose, en fait, par le biais de cet amendement, de rétablir
la demande de rapport au gouvernement qui avait été, et j'aime rendre à César ce qui appartient à César, en première lecture, un amendement qui avait été déposé par M. Bazin. Et donc, je vous propose effectivement donc cet amendement. Il ne l'a pas demandé en deuxième lecture, mais je leur demande. Voilà, parce que ça me semble important de pouvoir avoir une bonne analyse sur les moyens des ARS pour mener à bien et effectuer effectivement toute l'instruction des dossiers, du stock et du flux. Donc, il nous faut un rapport là-dessus. Eh bien, merci, Madame la rapporteure. Donc, je mets aux voix donc cet amendement de rétablissement de l'article 9, qui est pour et contre. Il est adopté. Donc, l'article 9 est ainsi rétabli. Il nous reste donc un amendement portant sur le titre. Monsieur Monnet, c'est à vous. Ah ben, c'est un amendement de clarté. Non, c'est de préciser dans le titre que ce projet de loi porte sur les activités dentaires et ophtalmologiques. D'ailleurs, dans nos débats, nous avons vu que l'ensemble de l'activité des centres de santé n'a pas forcément été traité, puisque c'était un objet d'efficacité. Donc c'était pour ne pas donner d'illusion qu'on a réglé la question des centres de santé et que l'on précise dans le titre que ça s'adresse bien aux activités dentaires et ophtalmologiques. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député, vous voudriez donc circonscrire le titre de la proposition de loi au centre dentaire et ophtalmologique. Je suis d'accord que nous avons prioritairement ciblé le contrôle sur ces centres qui présentent des risques de dérive beaucoup plus importants. Mais tous les articles de la PPL ne portent pas exclusivement sur les centres dentaires et ophtalmologiques. Les articles 1 bis A, 1 bis, 1 quinquies, 2 bis... Et j'en passe. Je suis donc défavorable à la modification que vous proposez. J'aurais bien voulu terminer sur une note positive, monsieur le député, vous en doutez, parce qu'en fait, elle ne reflète pas le contenu de la proposition de loi. Madame Thévenot. Oui, non, moi, très rapidement, je voulais juste en profiter pour saluer le travail fait de façon transpartisane et porté par notre présidente Fadila Khattabi, comme quoi c'est possible, comme quoi ça avance, et je pense qu'on peut tous s'en féliciter de façon unanime. Et je remercie les collègues de tous les bancs présents ici qui ont apporté des amendements qui ont permis d'enrichir ce texte. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Oui, merci bien sûr, Madame la députée, pour vos propos. Moi aussi, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier. Ce fut un plaisir de co-construire avec vous cette proposition de loi, cette belle proposition de loi qui, effectivement, je l'espère en tous les cas, nous aurons l'occasion d'évaluer après, de mettre un terme à toutes ces dérives que nous avons constatées qui mettent à mal la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc je vous remercie parce que c'est un travail collégial, c'est l'intelligence collective mise au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Je vais peut-être d'abord mettre aux voix l'amendement en question, qui a reçu un avis défavorable de malgré oui, bien sûr, à regret, pas... regret, oui, mais à regret, qui a reçu un avis dit. Défavorable de Madame la rapporteure. Mais je pense qu'il y a une égalité avec M. Daréville, hein, donc il n'y a pas de souci. C'était pour justement qu'il n'y ait pas de, désaccord hein, profond. Voilà, donc qui est pour qui est contre? Voilà, cet amendement n'est pas adopté. Et donc, il y avait une prise de parole? Non, tout va bien. Donc, Mme Guichard, allez-y. Voilà, je trouve que le travail de la rapporteure a été exceptionnel. Je pense qu'on a bien écouté, elle a bien écouté les centres mutualistes, les centres municipaux, les professions libérales, des chirurgiens dentistes, des ophtalmos et des autres, peut-être, qui dans l'avenir entreront dans cette PPL. Mais c'était un beau travail collectif et je suis très fière d'y avoir participé. Merci. Merci. Donc sur ces bons mots, je vais mettre aux voix donc l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Donc qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Félicitations, Madame la rapporteure, si vous voulez dire un petit mot. Merci, merci encore une fois. Simplement, j'aimerais quand même aussi voilà, remercier notre président de cette séance. Merci beaucoup. Voilà, mais puisque c'est le temps des remerciements, je vous remercie aussi de votre participation, bien sûr. Notre prochaine réunion donc, aura lieu, je le rappelle, lundi prochain à 15h45. Nous examinerons en application donc, de l'article 88 du règlement les amendements à la proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche proposé par notre collègue Le Gac. Merci à vous.